Dans cette vidéo, on va découvrir la ville de Monaco. On va rencontrer le prince Albert II de Monaco. On va visiter le casino, l'une des plus grosses caves à vin du monde, le stade de foot, le circuit, la collection privée de voitures du prince de Monaco, découvrir les secrets du palais et plein d'autres surprises. Vous êtes prêts? C'est parti. Et aujourd'hui, je serai accompagné Louis. Ça va ou quoi, Louis? Ouais. La forme? Est-ce que Louis, tu veux te présenter rapidement alors? Oui, du Cruet, 29 ans, quasiment au même âge que toi. Marié, pas célibataire? Non. Et du coup, Louis, qui est le fils de Stéphanie Monaco, qui est la sœur du prince Albert de Monaco. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas nous servir de guide un petit peu? Je vais essayer. Mais oui, on compte sur toi. Maintenant c'est parti, à présent on va visiter le casino de Monte Carlo à Monaco. Il est juste derrière moi, c'est parti, venez. Ici nous sommes dans le hall. Et vous remarquerez dans la vidéo que le casino a été construit tout en longueur. Créé en 1858. Et petite anecdote, ici au centre de la Rosace a dansé Sean Connery avec Kim Basinger. Pour un James Bond, jamais plus jamais. D'autres films ont été tournés dans ce casino, comme GoldenEye avec Pierce Brosnan, Ocean 12 avec Vincent Cassel. Et c'est déjà pas mal. Ici, nous sommes dans la salle Europe. C'est dans cette salle qu'on joue au blackjack, à la roulette, au poker, etc. Petite particularité de cette salle, vous verrez qu'à chaque angle, il y a une petite fenêtre qu'on appelle fenêtre œil de bœuf. Ce sont les ancêtres des caméras de surveillance. Des hommes y étaient disposés pour éviter les tricheries, aussi bien des joueurs que des croupiers. Nous sommes ici dans le salon rose. En 1891, il y a une loi qui est instaurée ici. On interdit aux gens de fumer dans le casino. Du coup, Marie Blanc, la femme du président du casino, a décidé de créer ce salon-là, réservé exclusivement aux fumeurs. Vous pouvez le remarquer avec la couleur du tabac sur la fresque et les femmes qui tiennent des cigares. Oui, à Monaco, il y a combien d'habitants à peu près? 39 000 habitants. Et combien de monégasques? Un peu plus de 9 000. Parce que tous les habitants de Monaco ne sont pas forcément monégasques. Non, il y a des résidents monégasques. Et du coup, tu sais, moi j'ai une entreprise, j'ai une société. Comment on devient monégasque alors? Alors c'est très difficile, faut la mériter. 20 ans de mariage avec un ou une monégasque. Faut minimum 10 ans de résidence à Monaco pour pouvoir la demander, mais il faut quand même pouvoir œuvrer et faire des choses pour la principauté, pour Monaco. Par exemple, faire une vidéo YouTube sur la ville de Monaco permet de devenir monégasque. Oh, I don't. Juste comme ça, hein? Je suis pas sûr. Ah ok, bah, on aura essayé, c'est pas grave. Nous sommes ici dans la salle blanche. Salle réservée aux membres qui ont un certain niveau de jeu, qui sont habitués du casino. C'est la première salle VIP du casino. Vous découvrirez les autres salles juste après. Ici nous sommes dans les salles Touzet. C'est deux salles qui sont complètement identiques. Petite particularité, c'est le seul casino au monde à avoir des horloges dans chaque salle. Pourquoi une horloge? Tout simplement parce que quand on joue, on perd la notion du temps. Et à l'époque, pour venir à Monaco, il n'y avait que deux trains. Un le matin et un le soir. Les clients ont donc demandé à installer une horloge dans chaque salle pour ne pas louper leur train. Ici, nous sommes dans la salle médecin. C'est dans cette salle que les futurs croupiers sont formés. Et le soir, c'est une salle de jeu privée, encore plus VIP que celle qu'on a vue précédemment. Nous sommes dans la salle privée anglais. C'est une salle complètement secrète. On peut rentrer et sortir de cette salle sans être vu, pour garantir la confidentialité du joueur. Quand on voit le mur comme ça, on se doute de rien. Et pourtant, il y a un petit bouton, on appuie dessus et... Tada! Surprise! Et là, on peut sortir tranquille. Bisous les loulous! Et pour y entrer, ça se passe ici. Il y a un code juste à côté. Et voilà! C'est incroyable quand même. Et petite particularité, la majorité du mobilier a été créé à Monaco, made in Monaco. Comme par exemple le cuir, la table, le bois, la roulette, ça fait plaisir. Quelle est la capitale de Monaco? C'est Monaco. Très bien. On est une cité-état, donc Monaco c'est la capitale de Monaco. Est-ce que Monaco c'est le plus petit pays au monde? Deuxième plus petit pays au monde, mais c'est le plus petit pays au monde avec un littoral. Est-ce qu'il y a une langue particulière à Monaco? C'est le français, mais il y a une langue traditionnelle dite monégasque. Tu peux nous faire une phrase? Péripoulouse ou Perificanas. Ça veut dire quoi? Attention aux curieux. Et petite particularité, l'entrée de l'opéra se fait par le casino qu'on va découvrir. Venez avec moi. Oh là là. Franchement, ça a de la gueule. C'est ouf. Incroyable. C'est tellement beau. Je sais même pas quoi dire, tellement c'est ouf. C'est dans cette salle qu'a lieu des opéras, des ballets ou des pièces de théâtre. Maintenant, rendez-vous à l'hôtel de Paris qui est juste derrière moi. Si vous aimez le vin, j'ai une petite surprise pour vous. Il est incroyable le caniche. Et juste derrière moi, c'est parti, on va visiter l'une des plus grandes caves privées au monde. Vin, champagne, spiritueux. Vous allez découvrir ça dans un instant, c'est parti, let's go. Patrice, enchanté. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Où est-ce qu'on est là? Dans les caves de l'hôtel de Paris, à 12 mètres sous terre, sous l'hôtel de Paris. Et j'exerce ici comme chef sommelier depuis maintenant 23 ans. Quel type de bouteille on peut retrouver du coup ici? Alors on a la chance d'avoir 98% des grands vignobles du monde. Combien de bouteilles sont entreposées ici alors? Alors sur 1500 mètres carrés, on a 300 bouteilles, c'est bien déjà. Non, 300 000 bouteilles de vin. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi passer une bonne soirée. Est-ce que Monaco, c'est une démocratie avec un président? Non, non. C'est une monarchie constitutionnelle. Okay. Il y a le prince qui est la décision finale dans les grandes décisions, mais il a quand même des élus, le Conseil national, dont il y a un président du Conseil national qui est
est élu donc par le peuple monégasque. Et ensuite, il y a un ministre d'État aussi, qui est souvent détaché par la France et qui vient donner son aide et suppléer mon oncle. Du coup, derrière nous, il y a une petite particularité. Qu'est-ce qui s'est passé ici alors ? Alors, il faut imaginer, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, déjà nous avions un gros patrimoine vin acquis. On a voulu le protéger un peu. Donc, il a été tout stocké dans ce caveau qui est derrière nous. Et la totalité du mur a été fermée avec des bouteilles vides pour protéger un petit peu ce trésor de guerre. Du coup, ça veut dire que pendant la guerre, les monégasques ont fermé ce mur-là, un faux mur, pour éviter que les Allemands nazis viennent piller les bouteilles derrière. Exactement. 7000 bouteilles vides sont rentrées à l'intérieur. Ok. En arrivant, les Allemands et Italiens ont un petit peu enlevé une, deux, trois, quatre rangées. Ils ont arrêté. Et heureusement, derrière, il y avait tous les plus grands vins que nous avions déjà en cave, l'argenterie de l'hôtel de Paris, les bijoux des clients qui habitaient aussi à l'année. Et tout ça nous permet aujourd'hui d'avoir encore des châteaux Margaux 1929. Est-ce que la fête nationale, c'est le 14 juillet comme en France ? Non, non, nous on célèbre la fête du prince. C'est le 19 novembre, c'est la Saint-Régnier. Est-ce qu'il y a une hymne nationale ? Oui, en monégasque. Tu veux la chanter ou on met un extrait ? On mettra un extrait. C'est bon, chanteur. Ça va. Pourquoi ici il y a une grille alors ? Pour que personne ne rentre à l'intérieur, nous avons derrière les vins probablement les plus chers du monde aujourd'hui. C'est tous les vins du domaine de la Romanée-Conti, qui est un grand vin de Bourgogne. C'est entre 10 et 12 000 euros. Une belle voiture. Là, on a une bouteille de 3 litres. Pour une petite soirée en amoureux, celle-là. C'est ça. Si madame ne boit pas, le format est impeccable pour monsieur. Pareil, une autre porte derrière nous, fermée à clé. Qu'est-ce qui se trouve derrière nous ? C'est la réserve Marie-Blanc. C'est l'endroit où on stocke les plus vieux vins de la société. Il y a une bouteille de tout ce qu'on a de plus joli dans les caves depuis 1873. On y va ? Allez, on y va. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup dans cette salle ici-là ? Les grands crus de Bordeaux, des bouteilles très âgées, une jolie collection de cognac qui va partir de 1809, 1811, okay. Roi de Rome. C'est le fils de Napoléon Bonaparte. Déjà, ça le remet un petit peu plus loin que quand on dit juste la date. Puis on va trouver des vins, des champagnes, des spiritueux, des portos. Quel est le prix de la bouteille la plus chère ici ? On ne sait pas vraiment. Ça c'est, c'est un peu comme un tableau de maître. Si okay. on sort une bouteille et que c'est la dernière d'un collectionneur, il sera prêt à mettre 200, 300, 400 000 euros dans la okay. bouteille. La plus ancienne, on n'ose même plus la toucher, la pauvre. Vous dites pas au chef caviste. C'est Marquis d'Aligre 1835. Tout est gravé sur la pastille en verre. Et ce qui est très rigolo, c'est que derrière, il y a une toute petite maxime qui est où c'est écrit défense dans l'essai. Château d'Yquem 1890. C'est un vin qui a été fait par des femmes, c'est ça ? Effectivement, on est sur les vins de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes étaient un peu occupés sur le front, donc c'est les femmes qui ont produit cela. Et est-ce que vous avez aussi une monnaie différente ou pas ? Alors non, on est dans la zone euro, mais on a nos propres pièces frappées de l'effigie du prince de Monaco. Est-ce que Monaco c'est un paradis fiscal alors ? Non, on n'est pas considéré comme tel okay. parce qu'il y a quand même des impôts sur société, TVA. On ne taxe pas les habitants sur le revenu, mais on taxe quand même les sociétés. On n'est pas un paradis fiscal. Juste derrière moi se trouve une partie du circuit de Monaco. Petite particularité pour les connaisseurs, le circuit de Monaco est à l'intérieur du centre-ville. Et juste à côté de moi, on a le tournant mythique du Fairmont. D'ailleurs, ils sont en train d'installer les glissières juste en face là. Les travaux qui sont juste derrière moi, c'est pour l'extension en mer. Parce qu'il faut savoir que Monaco c'est 2,02 km² et forcément ils ont besoin de s'étendre. À la base derrière moi il y avait que de l'eau. Suite à ces travaux il y aura des écoles, des parcs, des appartements, des congrès, il y aura plein de choses. Et ce qui est cool c'est que c'est construit dans le respect de l'environnement. C'était un souhait du prince Albert. À présent on est sur la place et on a rendez-vous juste derrière au palais princier. Et on va rencontrer le prince Albert II de Monaco. Du coup Louis, c'est bon, je peux aller voir le prince comme ça ? Je pense qu'il va falloir te changer. Ah ouais ? Genre pas le débardeur non ? Non non, pas aujourd'hui. C'est quoi ? C'est costard ? Costard cravate. Vraiment ? Ouais. Ok, bon ben c'est parti. Monseigneur Albert. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Très très heureux. Merci de prendre du temps pour nous, tout simplement. Bienvenue. Monseigneur Albert, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement alors ? Albert Rimaldi, 64 ans. Très bel âge. Si je puis dire, quel est votre métier ? Quand on est chef d'État, ce petit État qui est la principauté de Monaco, ce sont le travail et les attributs de n'importe quel autre chef d'État, même s'il y a le titre de prince. On est une petite cité-État, même si l'échelle est différente, okay. il y a autant de problèmes. Il y a du travail, il y a du boulot. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer une journée type pour vous ? Je me réveille généralement avant 8h du matin. J'essaie d'accompagner mes enfants à l'école. Il y a des rendez-vous qui s'échelonnent de 9h du matin jusqu'à 10h du soir. S'il y a une soirée particulière, une soirée caritative. La journée est bien chargée, bien remplie. Est-ce que vous auriez un mot à nous dire ? Bonjour à tous, bienvenue en Principauté. Et grâce à Thibault, vous allez pouvoir découvrir le palais princier. Et je vous souhaite une très bonne visite. Ce panneau derrière nous indique tant de rois, tant d'empereurs, tant de papes sont passés par cette porte-là. Ce qui montre l'importance de Monaco malgré sa petite taille.
Depuis quand la famille Grimaldi règne sur Monaco? Alors, quelle est l'histoire? C'est une légende, mais qui a été confirmée par différents récits historiques. Le premier Grimaldi à Monaco, c'était François Grimaldi, dit la Malice, Malizia. Et donc, dans la nuit du 8 janvier 1297, ils ont repris la forteresse à la garnison génoise qui était ici. Depuis cette nuit-là, la famille Grimaldi est à Monaco. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des plus vieilles dynasties d'Europe? Absolument, c'est même une des plus vieilles dynasties encore régnantes au monde. Là, je sais pas où on va, mais on y va là. T'as la tenue adaptée. On va visiter des petits passages secrets. Alors, oh. C'est là où il faut se lancer. Ah ouais, on va dans les catacombes en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, oui. Donc let's go, je suis en costard quoi. Je passe ma vie en débardeur et pour une fois qu'il fallait être en débardeur. Tac, tac, ok, c'est bon. Ok les gens, donc là je suis avec Thomas qui est historien. Qu'est-ce qu'on fout dans ce passage secret alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là on est dans un ancien chemin de ronde qui a été couvert, qui a été creusé en partie dans la roche pour défendre le rocher au 16e siècle, après le siège de 1506-1507, qui a failli être fatal à l'existence de Monaco. Les Génois ont voulu reprendre leurs biens. Qu'est-ce que c'est qu'un chemin de ronde? C'est ce qui permet de faire le tour d'une forteresse, d'avoir un certain nombre de soldats qui vont surveiller, on le voit à travers cette couleuvrine. Du coup, qu'est-ce qui est écrit ici là? C'est en latin? À la date 1896. On est effectivement dans les catacombes. Comme à Paris, le prince Albert Ier a voulu réunir dans les souterrains de son palais les ossements des anciens monégasques quand la cathédrale actuelle a été construite et qu'il a fallu déplacer le cimetière. Tu veux le remettre? Désolé. J'ai lu sur internet que vous étiez sportif. J'ai fait quand même 17 sports différents dans ma vie. Grâce à mon coup de foudre pour le bobsleigh, j'ai pu faire une petite carrière de 16 ans avec les championnats d'Europe. C'est génial. Des petite carrière, monde, une avec bonne des carrière. Coupes du monde et 5 Jeux Olympiques. Vous êtes modeste parce que petite carrière au JO, non, c'est très très. Est-ce que le fait d'être sportif, ça vous a aidé dans votre quotidien de prince à gérer un peu le stress? Je pense même pouvoir dire que je ne pourrais pas être la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience du sport de haut niveau. Ça m'a appris tellement de choses sur moi-même, aussi de mon rapport aux autres et de cette amitié par le sport. Ça n'est vraiment pas juste une image. Ça permet de faire des rencontres extraordinaires et puis d'avoir un lien si particulier entre les personnes qui connaissent les valeurs du sport. Bien sûr, voilà, le travail, l'abnégation, le sérieux, tout ça. Ici, on est sur la cour d'honneur du palais. Et vous l'aurez remarqué, ou pas du tout d'ailleurs, que moi on me l'a dit juste avant, c'est pour ça que je sais. L'escalier qui est derrière moi, c'est pour faire un clin d'œil au château de Fontainebleau. On peut voir sur l'escalier qu'il y a écrit un L et un Louis Ier, qui était l'un des princes de Monaco, mais aussi le filleul de Louis XIV, le roi soleil. Et maintenant, on va aller sous cette cour d'honneur. On a un truc à vous montrer, c'est parti. On descend encore. On est sous la cour. Waouh, c'est énorme. Il y a rien qui habite et tout quoi. Okay. Ça pourrait être trop ménagé, ça. Ça résonne de fou. Tu vois tout style, pour faire des vidéos, c'est pas top. Là, on se croirait dans une église, mais c'est pas une église. On est sous la cour d'honneur. Ici, c'est ce qu'on appelle une citerne, dans laquelle on met de l'eau, tout simplement. Et le but était de résister à un siège de 2 ans. Mais heureusement, ça n'a jamais servi. Ici, on peut mettre 1 700 000 litres. C'est une grande piscine. Vous avez une anecdote rigolote à nous raconter. J'étais au bord de la piscine avec ma soeur, mais je vous parle d'il y a très très longtemps. Avec ma soeur Stéphanie, on voit deux personnes inconnues qui se promenaient dans les jardins. Okay. Et en fait, c'était des touristes qui étaient montés par les escaliers, parce que la grille était ouverte. Alors, maintenant, il y a plusieurs grilles et il y a plusieurs codes d'accès. Et qui étaient chez vous, dans votre jardin? Qui étaient dans les jardins. Et donc, Ah ouais, donc naturellement, ils sont allés dans votre jardin tranquillement, ok, sans se douter de rien. On sait que le sens de la visite du zoo continuait par cet escalier. Nous sommes dans la chapelle palatine, la chapelle du palais appelée Saint-Jean-Baptiste. C'est dans cette chapelle que les monégasques rendent un dernier hommage aux membres de la famille princière qui décèdent, par exemple. À l'heure actuelle, tous les jours, il y a encore une messe ici où peuvent venir les employés du palais et la famille princière. Il faut garder en tête que l'état de Monaco, c'est un état qui est toujours catholique, dont la devise est Deo Juvente, avec l'aide de Dieu, tout en gardant quand même une liberté de culte. Il y a une dizaine d'églises sur 2 km². Au-dessus de moi se trouvent des fresques qui représentent les 12 travaux d'Hercule, fresques qui datent de la Renaissance. Mais que fait Hercule à Monaco? Parce que Monaco, c'est tellement escarpé, tellement dans la montagne, tellement galère d'accès en fait, qu'il fallait être un demi-dieu pour se frayer un chemin. Ici, on est dans le palais, et vous remarquerez que j'ai un miroir devant, un miroir derrière, du coup ça fait un effet d'infini. Trop stylé. Nous sommes ici dans le palais, dans l'une des plus belles chambres du palais, bon, qui est actuellement en travaux, et qui était destinée aux invités de sang royal. Question importante, enfin importante, elles sont toutes importantes. Est-ce que vous ressentez une pression des médias, des journalistes, en tant que chef d'État, en tant que personne, en tant que prince? Comment vous vivez ça au quotidien? Comment ça se passe? Mais d'abord, ça fait depuis très longtemps que ma famille et moi sommes exposés aux médias, donc on a eu le temps d'accuser le coup. D'emmagasiner tout cela, c'est des choses qui se gèrent, mais il faut aussi savoir se détacher un petit peu et pas croire tout ce que les médias racontent, si ce n'est pas bien étayé, si ce n'est pas des informations qui sont confirmées. Quand vraiment c'est une accusation qui
touche à la diffamation, là, on contre-attaque et on justifie. On dément. Voilà, et il faut faire des démentis quand cela se justifie. Vous avez fait une école pour apprendre à gérer tout ça, ce stress, cette pression, ou ça s'apprend sur le tas? C'est l'expérience. Ok, l'école de la vie. Quand on est exposé à plusieurs choses, surtout à un jeune âge, on apprend, pas forcément l'accepter, mais on apprend à le surmonter. Ici, on se trouve dans la salle Gaston Médecin, appelée aussi salle Omnisport. C'est ici que joue et s'entraîne l'équipe de basket, la Roca Team. Ici, on peut faire plein de sports, du hand, du tennis, du volley, peut-être de la muscu, on sait jamais. Et ici, on peut loger 3500 personnes. Et ici, nous sommes juste à côté du terrain de basket, où se trouve une piscine olympique de 50 mètres de long, accessible pour le public, les écoles et le club. Il y a aussi de grosses compètes de natation internationale qui se passent ici. Et il y a aussi une salle de boxe, où on peut pratiquer plein de sports de combat. Ici, nous sommes sur le stade Louis II, stade Omnisport. Et là, nous sommes sur la terrasse, là où joue le club, l'AS Monaco, inauguré en janvier 1985. Et autour de ce terrain de foot, il y a une piste d'athlétisme qui accueille de grandes compétitions, comme notamment le meeting Hercules. De grandes stars ont foulé ces lieux, Zidane, Usain Bolt, Mbappé, Kevin Mayer, Thibaut Inchey. Pourquoi les couleurs du drapeau, c'est rouge et blanc? Bon, alors il y a plusieurs histoires. La première, et celle qui est la plus véridique et la plus prouvée, c'est que la maison des Grimaldi, donc qui vient de Gênes, a eu comme couleur le rouge et le blanc. Donc ils ont amené ces couleurs à Monaco. Et puis il y a une autre, un peu plus religieuse, un peu plus poétique, par rapport à Sainte Dévote, donc la sainte patronne de Monaco, qui aurait été les couleurs de son sang quand elle a été arrivée à Monaco dans son linceul. Ok, c'est parti, maintenant on va visiter la collection privée du prince de Monaco, la collection de voitures. Let's go! À présent, nous allons voir la collection personnelle du prince Régnier III, le grand-père de Louis et le père du prince Albert. Il était passionné de voitures, c'est pour ça que dans la vidéo, vous allez découvrir plein de pépites. Derrière moi, la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans en 2007. Derrière moi, on a une Pagani Huayra Roadster. C'est une voiture qui a été prêtée pour la collection. Il y en a 100 dans le monde et 25 de ce modèle-là. Ça vaut à peu près 4 millions d'euros. Voilà. That's a lot of money. Derrière moi, une Lamborghini Countach. C'est la voiture de DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Derrière moi, deux véhicules qui ont servi à des explorations polaires. Ce modèle est 100% électrique et de marque monégasque. Ici, on a la première voiture d'Albert II, une magnifique Lotus. Comme première voiture, c'est pas mal. À côté de moi, une des premières voitures pilotées par Michael Schumacher. Derrière moi, la voiture utilisée dans le dernier James Bond, avec comme petite particularité, les mitraillettes à l'avant. C'est incroyable, c'est ouf. J'ai une question importante. Est-ce qu'on se sent seul un petit peu à la tête d'un pays quand on a beaucoup de responsabilités comme ça? C'est vrai que quand on a des décisions importantes à prendre, bon, il y a des gens qui peuvent vous aider, à accès à beaucoup d'informations, qui vous aident à prendre cette décision, mais à la fin de la journée, c'est vous qui êtes seul à prendre cette décision. Il faut prendre beaucoup sur soi pour essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment. Est-ce que c'est pas dur de dormir la nuit des fois quand on est chef d'État comme ça? C'est pas uniquement d'être chef d'État, mais quand on est dans une position de responsabilité, ouais. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et donc il faut savoir aussi relativiser les choses. Mais oui, quelquefois j'ai des nuits un petit peu difficiles, ouais, on se fait du souci pour tel ou tel problème. Il faut savoir gérer tout cela. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours, et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!